Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Boop. Miaou miaou. C'était très kawaii, ouais, ça. C'est hyper kawaii, j'avoue. C'était... Il n'y a pas de commandant, mais un général qui... ça va. Moi, ça, alors, ce jeu... Alors, justement, avant de commencer la partie, miaou miaou, ça me fait penser, pour tous ceux qui sont nés dans les années 70-80, allez. Donc il y en a beaucoup dans le chat qui vont partir. Ça me fait... Miaou, 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 miaou. La 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 la. Là là là, tu parles de quoi là? Pam 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 pam. Qui a connu ça? Pam 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 pam. Tu le regardais toi aussi? C'est un film d'animation. Bon, on vous le mettra juste après, mais d'abord on va se lancer dans la partie, ok? On joue. Serval, tout yes. de suite. On sent qu'il a les références. Il, bien entendu, il dit que c'est Miaou Miaou. Mais oui, c'est Miaou Miaou. Est-ce que vous voulez un petit extrait? Ah non, mais c'était tellement. Tellement. Donc, et tout en pâte à modeler, ouais. fait à la main, animé, image par image, et respect, franchement. Donc, Miaou Miaou, et comme tu me disais hors caméra, ça parlait pas dans ces dessins animés. Non, c'était pas c'était que des petits trucs comme ça, et on comprenait tout. C'était un langage incompréhensible, mais on était créatif à l'époque, parce que du coup. On inventait des histoires avec ça, et ça, je trouve ça trop, trop bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes entre les années 70 et 80. Mais c'est ça, c'est pour ça que David, le frère Oli, montre artiste dans le chat, on voulait te dire, ne pars pas de ce live avant d'avoir vu ça, parce que, à l'époque, avec Oli. Ah ben, bah, alors, ça n'a rien à voir avec les chats. Tu regardais un dessin animé qui était, Alors, on avait nos deux sacs, voilà, je vous racontais. Nous allions à l'école. Avec mon frère, parce qu'on a qu'un an d'écart, voilà, c'est ça. Avec nos petits sacs chapeau. Mon frère avait le bleu, j'avais le rouge. Mais vraiment. T'as... Et nous partions main dans la main. Vous avez vraiment eu le vrai sac, c'est la sacoche. Vrai sac chapeau. Et un grand coup de cœur, parce que ça aussi, c'est un animé, je peux vous dire, qu'il faut avoir l'esprit créatif pour imaginer des choses. Qui a connu chapeau dans le chat? Franchement. Hein? Il n'y en aura pas beaucoup. Mais allez, allez allons-y. Alors là, ça c'est excellent. Ça... On a des petites marionnettes et des cubes, voilà. Ça c'était pas au Québec, dit Poupou le café du Touquet. Et ben, c'est bien dommage parce que c'était aussi tout animé à la main, image par image, oui. et ça parlait pas, on est d'accord. Et Oli, c'est elle qui faisait les voix. C'est moi qui, ouais, j'ai. Bon, voilà quoi. C'était un petit rollback dans les années 78-80, ouais. Le début des années 80. Fin des années 70, oui, début des ça. Années 80, on était tout petits. Hein. Ouais. Hein. Donc voilà, ce soir, la soirée elle est lancée avec des petites anecdotes comme ça. On voulait apporter un petit peu... On en rediscutera de chat. Des petites touches comme ça, comment dire, des 80s. Yes. Pour jouer à Boop. Mais
si vous le voulez bien, on va se lancer dans une première partie. J'ai vu que Hensmae avait lancé les prédictions qui vont se terminer dans à peu près, ouais, je dirais une minute trente. Du coup, on se lance dans la partie. Le premier qui doit jouer dans Boop, en théorie, c'est le dernier à avoir caressé un chat. Ah, c'est pas toi. Il n'a pas le droit de toucher les chats, il est allergique. Pauvre Willow, il commencera jamais à ce jeu. Pauvre Willow. Donc non, effectivement. Du coup, ça... Je ne savais pas, tu vois. Alors, dans Boop, nous devons tout simplement... le but du jeu, c'est d'aligner trois chats. Pour aligner trois chats, d'abord, il va falloir, chacun notre tour, mettre un chat sur le plateau de jeu, qui n'est pas un plateau de jeu, qui est un duvet molletonné, où les chats vont sauter. Et quand un chat va sauter à côté d'un autre chat, qu'est-ce qui va se passer? Miaou miaou. Non. Boop. Il va se passer boop. Moi, je dis miaou miaou. L'autre chaton va être éjecté. Oui, c'est ça. Un peu plus loin. Mm-hmm. On va donner un verre d'eau. Ben oui, avec plaisir. Et si vous réussissez à aligner trois chatons, eh bien, on va remplacer ces trois chatons par trois chats. Et le premier à aligner trois chats gagne la partie. Aussi simple que ça. Sur le coup, on s'est dit, écoli, c'est un peu limite. Et on y a joué. Et on s'est dit, ah ouais, c'est hyper fort, parce que c'est très tactique, oui, tout en étant ludique et court. Et plaisant. Allez, à toi l'honneur. Merci Lucky Duck. Merci Lucky Duck, ouais, de nous avoir localisé ce jeu en France, parce qu'il est aux États-Unis, édité par Smirk and Dagger Games. D'accord. Merci. Merci Lucky Duck. À toi l'honneur. Alors, je tiens à dire que celui qui gagne le jeu remportera des petits marshmallows japonais. Attends, c'est juste pour le côté ASMR. Comme fait ma fille. Mais c'est pas trop kawaii tout mi choupinou ça. Lilou fait ça dans ses stories, mais avec des bouteilles de vin. Avec des bouteilles de vin, c'est pas la même. Alors bon, la règle du jeu elle est super simple. On prend un chaton et on le place où on veut. C'est tout. Alors. Bon. Donc nous, on les placera bien entendu à plat pour que vous ayez une belle vision du jeu. Bien, bien. Et ça, on fait ça une fois chacun, aussi simple que ça. Quand on place un chaton adjacent à un autre chaton, que ça soit orthogonal ou diagonal, l'autre chaton, il boop, parce que là, j'ai sauté, boop, et ça fait rebondir l'autre dans la diagonale opposée. Et c'est tout. Hmm. S'il y avait eu d'autres chatons autour de moi, tout le monde aurait boopé. Ok. Donc, bien entendu, on va pouvoir se bouper, s'éjecter du plateau, etc. Et on va tenter de faire des alignements de 3. Alors, 53% pour Je suis un 4, Oli. Donc, et 47% pour moi. Et c'est équilibré. Tout le monde veut devenir un 4. Et là, boop. On est d'accord? On est d'accord. Au départ, on a à sa disposition les 8 chatons uniquement. Les 8 chats, il faut les gagner. Si je me mets là, je te boupe ici et ici. Allez. Ah, mais tu m'as bien éloigné là. J'étais bien, bien éloigné. Bien, bien, bien. Alors, du coup. C'est super beau à l'écran. J'ai fait un réglage ce soir, je te le dis, un petit peu sombre pour qu'on ait. Un petit peu cosy. Un petit peu, voilà, qu'on soit un petit peu, voilà, cosy. Miaou, miaou, boupe. 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 Et boupe. Déjà rien que peut-être ça, ça m'amuse. Il m'en faut peu, hein. Alors, je vais peut-être éjecter un chat. Mmh. Celui-là va se bouper ici. Mmh. Et lui est bouper en dehors. Elle le récupère. Je le récupère. Quand il sort du plateau, de son petit coussinet, il revient. Alors, c'est pas parce qu'on est en live qu'il ne faut pas que je me déconcentre. Donc, t'es concentré, non? Non, là pour le moment, je suis un petit peu dans mon trip. C'est bientôt les vacances, tout ça. Mais voilà. Ok, je me reconcentre. Je pose mon petit Garfield d'ici. Boop. Boop. Ok. Ouais, on est d'accord. Alors. Ouh, je peux éjecter trois chats. Alors, trois chats? Je vous donne juste un exemple. Si je mets un chat ici, un chaton là, je ne boupe pas le chat de Oli parce qu'il est bloqué par mon chat à moi. C'est des petits chatons. Donc dans ce cas-là, il serait bloqué. Mais je ne vais pas faire ça. Hein. Je vais plutôt faire ça. Ou plutôt ça. Pour t'as pas le droit de changer, hein. Oh, ça va.
pour éjecter. Sinon, abeille avec des dards. Avec des dards. Attention, ça va piquer. Ça va faire mal. C'est très joli. C'est très joli. C'est très joli. Ah, c'est très joli. Mm-hmm. Moi, je le dis, hein. Est-ce que là, le chat, il est concentré? Oui, franchement, ils sont vachement calmes. Ah, ouais, parce qu'ils se disent, ah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Alors, commencez par nous dire, ouais, en haut à droite, machin. Hein. On regardera pas. Hein. Ah, oui. Ouais. Attends, non, ici. Là, je bouge pas. Exact, parce que là, tu boupes dans un de mes chats. Ok, c'est tout. C'est bueno pour moi. C'est bueno pour toi. Miaou, miaou. Alors. Un peu embêté là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour miaou, 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 la 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 la. Bon, je vais me mettre ici, je me boupe là, je te boupe là et je te boupe ici. C'est beaucoup. Hein. Ok. Pam 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 pam. Et ça arrête. Papa, papa. Faut que j'arrête de faire ça, ils vont en avoir marre après. Ils vont en avoir marre de moi. J'espère que vous me supportez encore. Mais quand cet après-midi, Oli m'a dit, punaise, tu te rappelles de Myanmar? J'ai dit, mais oui. Ça, c'était. Bon, après, bien sûr, il y a eu les Aristochats, c'est dans les années aussi, 70, je crois. Attends, et celui en haut à droite, j'avais mis mon chat là? Oui. Lui aussi, merci. Tu as raison. Merci, Griffycats. J'ai oublié de bouper lui, qui va là aussi. Tout à fait. Puisque, faut pas en oublier, Willow. Puisqu'on boupe tous les chats qui sont sur les 8 cases adjacentes. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 8 cases adjacentes. C'est ça. Donc j'avais bien oublié de bouper celui-là. Bravo, Griffycats, qui a veillé au grain. Du coup, je pose lui ici. Ouais. Je boupe le mien en haut. Et moi à l'extérieur. Et toi, boupe. Oh, tu me fais éjecter mon premier chat. Sauf que. T'as un peu oublié que là-haut, j'en avais deux à côté. Ah oui. Et bam, j'aligne mes trois premiers chats. Lui, il est boupé à l'extérieur, le tien. Ah oui, j'ai pas vu. Moi, je ne boupe pas les deux miens puisqu'ils sont bloqués. Et qu'est-ce qui se passe? T'as droit à trois chats. Génial. Donc, les chatons se transforment en chats. Ces trois chats sont éjectés de la partie. Je les mets derrière nos têtes. Invisibles, comme ça. Et je récupère parmi les huit chats de la réserve. Eh bien, trois chats. Ils ont grandi. Voilà. Maintenant, petit truc sympa, c'est que quand je vais poser un chat, je vais toujours pouvoir bouper des chatons. Mais les chatons à Oli ne pourront pas bouper des chats parce qu'ils sont trop gros. Mmh. Pour bouper un autre chat, il faut un chat. Donc Oli, il faut vite qu'elle fasse Je peux en faire un, là. Oui, trois chats pour pouvoir venir à la rescousse. Tu m'as dit qu'on pouvait faire aussi deux chatons, un chat, c'est ça? Oui, mais il faut déjà que tu aies des chats. Oh, oui, je sais. Du coup, je vais mettre mon petit chaton ici. Ben ouais. Il va bouper lui. Boup. Génial. Et du coup, j'ai trois chats alignés. Super. Super. Tu veux que je te les enlève? Ouais, s'il te plaît, parce que j'ai le bras trop court. Avec grand plaisir. Et j'ai trois chats récupérés. Trop bien. Donc, dans notre réserve, on a donc maintenant encore trois chatons et trois chats. Les autres chats, là, il faut les gagner. C'est à toi, mon Willow. Avec grand plaisir. Tout le monde veut devenir un chat. Allez, donc je vais mettre un petit chaton ici. Je vais me bouper ici. Et lui, je vais te le bouper à l'extérieur. Un bisou, ours. Bonsoir, je suis en retard. Ce soir, je regarderai le replay de ce petit jeu tout kawaii. Avec grand plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur YouTube, mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je le répéterai jusqu'au bout de ma vie. Temps. Allez, à toi. C'est à moi. Ah, c'est à toi. Du coup, je peux jouer aussi mes chats. Celui qui a aligné trois chats a gagné. C'est ça, hein? Je me rappelle bien du jeu. Ah, écoute, moi je dis oui. C'est déjà trop tard, je dis oui. Je sais, ouais. Allez, je pose mon premier chat là. Et je vais bouper ces deux-là. Boup, boup. On est d'accord. Pas sympa. C'est pas sympa. Un chaton ne peut pas pousser un chat. Parce qu'il est trop gros. Eh oui. Bon, je vais mettre mon premier chat aussi. Copiteur. Pour te bouper ce petit chaton. Et comme c'est un chat, je peux bouper donc ce chat-là aussi. C'est ça. Et les miens, ils sont quand même plus sympas que les tiens. Les miens, ils rigolent.
Ah ouais, j'avais pas vu. Ouais. Ils ont pas le même petit visage dessiné, fais le voir de près. Récupère ton chaton. Hi Attends. Alors, du coup, je vais le mettre là. Là, je ne bouge pas. Eh oui, parce que là, Nickel. Pas de problème, on fait. ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Il va falloir que je le vire, celui-là, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Serval dit, ceux de Willow, c'est des samouraïs Pizza Cats. Pizza, 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 pizza Cats. Ah oui, quand même. Bon, moi, je vais mettre un chat ici. Ça va bouper mon chat là, mon chaton là, ce chat là, et lui ici. Oula. Ok. Tu m'embêtes, hein? Écoute, j'essaye. C'est une cat size. Il dit Logan Savard. Non, c'est une cat size. Ben, ben, ben. C'était bien, cat size. Ouais, c'était très bien. Je vais mettre. T'as dit qu'on pouvait faire deux chatons à un chat. De toute manière, à sa couleur, dès qu'il y a trois trucs alignés, Ah, ok. ça marche. Je vais mettre mon petit chaton ici. Lui, il boupe. Ouais. Oh. Tu fais pas ça. Hein. Tu fais pas ça, c'est pas gentil, hein. Bien sûr, le chat ne bouge pas comme il est plus balèze. Alors laisse-moi un petit peu réfléchir de savoir ce que je fais là. Réfléchis. J'avance pas vite, mon chat Willou. Allez, je vais mettre un chaton ici. Il se passe rien parce que je ne peux pas bouper un chat. Et ici, on est bloqué, donc il se passe rien. Il se passe toujours rien. Tendu. On est d'accord, c'est C'est tendu. tendu. Je mets mon petit chaton ici. Ok. Boop. Par contre, tu ne boupes pas mon chat d'au-dessus. Oui. Ok. Là, c'est un peu dangereux pour moi, là. On a de la dangerosité, là. Il va On a falloir. affaire à un petit chat très félin. Ah ouais, et ça, il y a de la. Très, très, très malin. Il y a de la maligne. Il y a de la maligne là. Moi, je trouve qu'il ressemble à Garfield de petit. J'aime bien l'animé Je vais Garfield. certainement mettre un chaton ici. Ok. Je vais bouper ce petit chaton Ok. là et ce petit chaton là. Le reste ne bouge pas. Tu m'embêtes là. Tu m'embêtes vraiment, hein? Et ça joue là, hein? Et quoi que tu boupes ton chaton aussi, Oli? T'avais fait quoi tout à l'heure? Pardon? Attends, je reviens en arrière. Tac. Moi, j'ai posé lui. Toi, t'avais posé quoi? Ah, lui, peut-être? T'avais posé lui, ouais. Je m'en souviens plus. J'avais pas bougé le chaton? Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle avait posé celui de gauche ou celui de droite? Je me rappelle plus. En dessous du gros. T'avais posé lui. Ok. Non. Ouais, ok. Donc, si elle a posé lui, Oui, boop. c'est Merci, Icoque. Et du coup, ça, toi, t'as posé hein. lequel? Il faut pas. Ça, il faut avoir l'œil de partout. Hein. Si, si, ok. Merci. Merci. Du coup, tu reposes ton chat gris? Bah, du coup, je vais faire un coup un peu différent. D'accord. Tu feras une D'accord. coupure, peut-être, ou pas? Bah, non, C'est les aléas de la c'est vie. les aléas du direct. Ah, ça va. Grosse bêtise, Oli. Hein. Pardon. Mais Icoque a dit parfait. On s'est bien remis On droit. s'est remis droit. Échapper belle au scandale. Pardon. Alors, bon, laisse-moi réfléchir. Je fais quoi là maintenant? Si je fais ça, je me boupe un chat. Ton. C'est pas forcément évident. Donc, je vais plutôt faire ça. Et je vais bouper ton chat ici, ton chaton Ok. là. Tout le reste ne bouge pas puisque ce sont des chats. Ok. Là, Merci, je suis merci, bien. merci. Et bonsoir à ceux qui arrivent sur le chat en ce moment même.
en pleine partie de Boop. On est concentré, j'allais dire. Donc, attention. Mais ce qui est bien, c'est que le chat veille au grain si on oublie de booper un chat. Donc, c'est top. Ok. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cases, mais il faut quand même être bien attentif hein, à tout ce qui boop. Je le mets là. Ouais, le mien est éjecté vers le haut. Boop. Arrête de faire ça avec mes chatons, s'il te plaît. Miaou. Miaou. La 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 la. Réfléchis un petit peu, hein. Arrête. Je fais bien de santé, je crois. Ah, je crois que j'ai un truc à faire, là. Il y a un temps de réflexion, à peu près, de... Non, si tu mets... T'as un chat encore, là? Oui, j'ai un chat. Ok, si tu le mets là, c'est... Quelqu'un des bois. Punaise, heureusement que je l'ai vu, quand même. Donc, je vais mettre un chaton ici pour éjecter ce chaton ici et le tien. Ah non, je vais pas faire ça parce que sinon je t'aligne des trucs là. Pas bien. Je vais pas faire ça. Je vais Je tiens juste à signaler roll back. Mais non. Daidar. Mais non. Je vais plutôt le mettre ici. Il me fatigue. Je te boupe simplement lui. Les deux autres ne bougent pas. À toi. Il me fatigue ce petit. Arrêtez de dire c'est joué ou il y avait mieux à faire. Arrêtez tout de suite. Bien sûr qu'il y a toujours mieux à faire, mais on est en live. Ok. Alors, boop. Moi je prends 2 secondes à jouer. Ok, ça va. 2 secondes, t'as ça? Bon, c'est pour ça que je fais beaucoup d'erreurs dans la vie. Mais tu m'énerves bien là. Là, c'est dangereux. Dangerous. Dangerous. Bon là, il faut casser du truc là. Si je fais ça, je t'aligne 3 chatons, ça le fait pas. Si je fais ça, c'est mieux. Non, je t'aligne 3 chatons aussi. Waouh, chaud. Une chose à faire, Willow. Ouais, je sais. Mais. Est-ce que c'est. Je suis un peu bloqué là, je t'avoue que je suis un peu bloqué. Donc, ce que je vais faire, je vais me la jouer cool. Je vais me la jouer cool. J'aurais dû mettre le ronronnement d'un chat, tu sais, quand il ronronne. Il est tranquillou, son petit guidou. Non, je suis obligé. Alors, que fais-tu, Will? Je fais ça. Ok. Je boupe lui là. Ok. Je boupe lui là. Ok. Et je boupe lui ici. C'est ça. J'ai bougé la boîte. Ça m'énerve. Voilà. Du coup, tu te retrouves avec 3 chatons alignés. Où ça? Ben là. Ah oui. Je l'ai pas vu. Grâce à toi. Grâce à moi. Donc, est-ce... Merci Willow. Merci. Donc du coup, j'ai 3 chats. Ouais. Alors du coup, je suis en train de me demander quelque chose. C'est jamais arrivé dans nos parties. Est-ce que là, tu dois directement virer tes 3 chats et prendre tes 3 chatons et prendre 3 chats, ou jouer ton coup et Bah là, c'est ton coup à toi. Donc après, c'est à moi de jouer, moi je dirais. Il se transforme directement. Ah non, autant pour moi. Ouais, non, le chat devrait être boupé. J'ai mis lequel? Lui là, il est boupé en diagonale, ça passe. Ah, il a mis lui. Merci le chat, vous suivez, parce que en diagonale, c'est boupé. Oui. Donc du bien coup, joué. Tu te retrouves pas avec un alignement de 3, tu peux jouer. Bon, après, je peux le faire n'importe où. Hein. Et le tien aussi, Willow. Ah oui, lui. Boop. Ça va, ça y est. Et il faut avoir l'œil partout. Hein. Oui, mais ça va. D'ailleurs, c'est un 10 ans et plus, hein, je tiens à signaler. C'est pas un 8 ans. Oui, c'est pour ça qu'on a un peu plus de mal. Merci, là on est bon. Ok. Allez, donc cette fois, c'est à toi. Il n'y a pas d'alignement encore. Il n'y a pas d'alignement. De 3. Donc, cette partie est tendue. Alors, si je veux 3 chats, ouais. C'est soit je mets 2 chats ici, oui. 2 chatons et un chat. Oui. Soit je pourrais faire ici 3 chatons. Oui, exactement. Hmm.
J'hésite. Si tu fais la première solution, ici, là, deux chatons, un chat, t'enlèves les trois, tu récupères ton chat, tu vires tes deux chatons dans la boîte et tu reprends deux chats à la place. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça, j'ai quand même j'ai encore des chatons. Donc, 1, 2, 3, un alignement de 3, okay. Deux chatons, un chat. Donc, tu reprends ton chat, tes deux chatons, ils sortent du jeu, mais par contre, tu reprends deux chats. Deux chats. Yes. C'est joli. Et c'est une fin de tour, c'est à toi. Écoute, je vais me positionner ici. Je ne boupe pas mon chat. Mmh. J'ai un alignement de 3, comme toi. Ah oui. Avec deux chatons, un chat. Je garde mon chat. Et deux chatons. Sans bon. Et je prends à la place deux chats de nouveau dans ma réserve. Mmh. Donc voilà, je me retrouve avec trois chats et deux chatons. À toi. Je pensais pas, mais c'est sacrément malin, dit Roranito. Ah, carrément. Eh ben, moi, je me disais la même chose. Je pensais pas du tout, mais c'est super malin. Ici. Ok. Le chat. Voilà. Boop. Oui. Boop. Et tu boupes aussi mon chat. Ah oui. Comme t'as mis un gros chat. Je récupère encore deux chats. Ah ouais, hein. Bah, oui. Je me mets là. Parce que j'ai pas vu hein, que... Je boupe lui. Non. Et j'ai un alignement de 3. Je te fais gagner. J'ai pas vu. Hein. Je l'ai vu après quand tu m'as dit. Je récupère mon chat et je récupère encore deux autres chats. T'en as plein. J'ai 6 chats à disposition. Mais c'est un alignement. Alors, ça... Excusez-moi, c'était un peu... Non, pardon. Ça me fait dire que pour gagner la partie, deux solutions, pas qu'une. soit on fait un alignement de 3 chats, soit on a réussi à mettre sur le plateau nos 8 chats. Ah, ça tu me l'avais pas dit. Mais ouais, parce qu'on a. C'est impossible, si. Si, c'est possible. Ah, c'est possible. Mais on l'a jamais fait encore. Bon, tout le monde est en train de dire que tu joues super bien. C'est pas vrai. Je vous permets pas. Oh, voilà. Je mets mon chat ici. Allez, go. Donc. Boop. Boop et boop. Allez, on est d'accord. On est d'accord. Merci pour votre soutien. Ouais, ouais. Vous savez très bien que je suis tête en l'air. Hein, et que oui, je ne me projette pas des fois loin dans l'avenir. C'est ça. C'est comme dans la vie. Au jour le jour. Je mets un chat ici, je te boop lui ici. Mais cette partie, elle est plus tendue que je pensais. Hein. Allez, Oli. On y croit. Là, avec tous les chats qu'on a, ça va forcément s'accélérer. Allez, boop. Et boop. Ok, boop, boop. Bien, bien. Moi, ils sont bien éparpillés. C'est le but d'aérer un petit peu tous ces petits chats. Je ne peux pas me booper là, mais par contre, je boop lui. Mmh. Ok. Mmh. Bah, du coup, c'est pas mal. Mmh. Alors, Oli. Oli, réfléchis avant de faire des bêtises. Ouais, parce que là... Soit je mets le petit chaton là et j'ai 3 et j'ai 2 nouveaux chats. Donc tu dis pas ce que tu dis. Je dis tout fort pour aider nos amis à comprendre ma stratégie. Il n'y a pas de stratégie qui tienne. Un jeu à deux comme ça, de comment dire, abstrait, vraiment, c'est très personnel ce qui se passe dans ta tête. C'est très personnel ce qui se passe dans ma tête. Parce qu'il y a... Okay. Tu vois, là, je pense, on est 42 sur le chat en ce moment. Oui. Eh ben, je pense qu'il y a 42 façons de jouer différentes à Boop. C'est sûr. Bon, je pense que je vais bloquer Willow parce que là, s'il met un chat, ouais. Eh ben, c'est gagné. Ouais. Donc, je mets mon petit chaton ici. Ok. Il bouge pas. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Miaou, miaou. Personne ne bouge. Alors moi, je vais mettre un chat ici. Je vais bouper plein de choses. Hein. Je vais bouper ça. Oui. Ça. Et mon petit chat. Ça. Et ça. Oh, ma mia. J'ai boupé beaucoup de choses. Hein. Maman mia. Ah, et lui aussi, pardon. J'ai mis lui. Ah oui, et lui aussi. Et le lui tien. Aussi. Voilà. Oh là là, tu m'embêtes la vie, là. Madre mia. Tu as le droit de mettre directement un grand chat entre les deux autres, Oli.
C'est-à-dire Oui, elle a le droit ICOC. Ah. Ouais, ouais, bien sûr qu'elle a le droit. Elle peut poser ce qu'elle veut, où elle veut, du moment où la case est libre. Donc du coup, si tu poses un chat ici, t'as gagné. Ce qui bouge pas. Oui, c'est ça. Et si j'en pose un là, j'ai gagné aussi. Donc tu m'as coincé là, non? Non, il faut... Non, mais ne me dis rien. Je vais... Il faut donner un petit coup dans tout ça. De bouper les choses. Exactement. Sinon, tu as gagné. Donc je suis obligée de mettre un chat. Et je vais bouper ici. Allez, go. Fais-nous un truc. Boop. 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 Et boop. C'est ça. Miaou, miaou. Sauvé. Faut que je prenne le temps de réfléchir parce que sinon, si je discute trop... Je pars après un peu n'importe où. Miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Arrête ça, ça me déconcentre bien. Tu pourrais remettre mon générique? Non. Des années 78. Pas que je vais faire ça. Pas sûr que je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais mettre un chat là et je vais me bouper là. Ok. T'es un petit malin, toi. Hein. Bonsoir à ceux qui arrivent dans dans le chat. Mais bon, j'ai un peu chaud. J'avoue qu'il fait chaud dans le studio. Cette partie, elle est beaucoup plus tendue qu'on ne le pensait. On reste concentré. C'est très fort, la jeu. Hein. Non. Là, je crois que tu m'as gagné deux fois, non? Deux, trois. Deux fois, et moi, je gagne une fois, je crois. On dit pas. Ouais. Il y a eu 53% pour moi? Ouais, ça va. Pas bien. Ouais, du coup, Oli, allez, te perds pas dans tes idées. Je ne sais pas. Peut-être. Ah oui, tiens. Pourquoi pas? Si je fais ça, oh, je les mets à l'envers, mon petit chat. Bah, j'ai le droit. Ici, boop. Ici, boop. Voilà. Domi, saltato, sambido. C'est un jeu, oui, Miss Tablette. Talbot. Talbot. C'est un jeu très très calme. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais boop, mettre. Boop et boop. Je mets un chat ici. Bibidi boop. Le gros chat va booper ce chat-là. Okay. Et le tien à l'extérieur. Ok. Bibidi babidi boop. Donc, c'est dur, hein. Ouais, c'est vrai. Oh, tu vois, une partie, elle dure combien? Entre 15 et 20 minutes? Alors, sur la boîte, c'est annoncé 20 minutes. Mais je pense que si c'est serré. Boop. Les 20 minutes, elles y sont. Mais ça peut être 5 minutes, je pense. Ouais, parce que là, c'est, on est très serré et moi, j'ai plus grand chose. Ah. Obligé de faire ça. Hein. Je vais mettre un chaton ici. Et rien ne va se bouper. Et mais oh, c'est quoi cette partie de fou? T'as raison. Hello. Alors, je vais mettre mon petit chaton ici. Ouais. J'ai un alignement de 3. Oui. Ces deux chatons partent. Oui. Ils ont grandi. Et toi, tu récupères ce chat plus et deux chats. Donc, t'as autant de chats que moi. On en a qu'un à récupérer encore. Bien joué, Oli. C'est bien joué. C'est bien. Olé. Ah, ce jeu est très sympathique. Petit jeu de choc, de morpion et de boupage. À toi, cher ami Willow. Attends, je veux pas faire de bêtises. Boop. Boop, 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 et boop. Et boop. Et boop. En fait, t'as poussé tout le monde. Ouais. Oh, c'est cool. On tu me fais gagner. Ouais. Là,
Je boop. 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 Bibidi babidi boop. Je savais que ça allait se finir. En catastrophe. En catastrophe. Punaise. Bon. Eh ben, c'est une partie pour Me Mao. On peut pas regarder mon générique des années 80. S'il te plaît. Lequel? Me Mao. Me Mao. Bon, comme Hickok le dit, tu m'as eu à l'usure. Mais c'est tout à fait ça. Tu pouvais gagner un tour avant, dit Docteur Manchot. Ah ouais. Oui, il aurait pu gagner un tour avant. Mais des fois, on voit pas des choses, hein. Mais c'est sûr. Là, il y a, comment dire, en plus, c'est super clair à l'écran. Vous devez voir tout ce qui se trame, que nous, on voit pas forcément parce que on est en train d'animer l'émission en même temps. Mais... ce qu'il y a de sûr, c'est que ça peut être quand même assez stratégique. Oui. Un petit jeu d'échecs comme on aime. Du coup, on va s'arrêter là pour YouTube. Ok. Mais on va continuer sur Twitch. Donc, rejoignez-nous sur Twitch parce qu'on fait toujours des trucs un peu en plus. Allez, du coup, c'est moi qui ai gagné un petit chamallow. Allez, t'as gagné un chamallow. Attends, je vois. Avant de terminer... Je voulais savoir donc votre animé préféré par rapport aux chats. Ah. Tous vos animés, enfin animés ou dessins animés, ce que vous préférez, sur les chats. Alors, je vous laisse le temps de réfléchir, ceux qui sont dans le chat. Vous allez me sortir des noms, parce qu'il y en a eu pas mal des dessins animés sur les chats. Alors, animé japonais ou animé tout court? Animé tout court. D'accord. Il y a des dessins animés, moi j'en ai plein en tête. Mais un qui a marqué Mei Mei. Lilou et moi-même, oui. Qu'on a vu et revu, qu'on a usé le DVD. Et pourtant, moi, je l'ai vu qu'une fois, celui-là. Voilà. Mais celui-là nous a fait voyager, ouais. Rêver. C'était quoi? Ah, tu l'as ici? Ben oui, je l'ai. Attends, est-ce que je l'ai? Attends, je regarde si je l'ai. Mais oui, tu l'as. Attends, je l'ai. Mais oui, c'est obligé, je l'ai toujours, ce DVD. T'as mon DVD? Oui, ah, c'est le dernier. Alors? Alors, votre avis, c'est lequel? C'est un... Le Royaume des Chats. Le Royaume des Chats. Et celui-là, on le kiffe. Ah, alors du coup, un petit extrait du Royaume des Chats, c'est parti. C'était très beau, hein. Très beau, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, il est à voir, il est magnifique. Et la musique, bien sûr, superbe. Bravo pour cette belle victoire, Oli. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à YouTube par rapport à ce petit boop? Eh ben, booper entre amis, c'est très sympa. Ça va bien le faire. C'est très sympa. Si vous c'est... avez vu la partie, vous avez bien vu que c'était très sympathique. Ouais. Il est frais, il est mignon, il est kawaii. Il est bien édité. Il est bien édité, tout à fait. Et il est plaisant à jouer. C'est validé. C'est validé. C'est validé. C'est validé. C'est validé, gars. Il reste dans la ludothèque. Si vous voulez voir plus d'émissions comme celle-ci en live, rejoignez-nous sur Twitch les mercredis soirs, même si cet été... On va faire une petite pause pendant l'été, ce qui veut dire que tous les mercredis soirs, il n'y aura pas forcément de live. Il faudra checker nos réseaux sociaux, Facebook et Insta. Insta, toutes les stories. On vous tient au courant de ce qui se passe chez Willow Oli. En tout cas, si pendant l'été, on bouge quelque part, on n'hésitera surtout pas à créer du contenu en faisant des petits vlogs, parce que créer du contenu, ça, c'est quelque chose qu'on aime. Après cette vidéo donc de Boop sur YouTube, on fait donc une petite pause pendant l'été, mais il y aura du contenu quand même pendant juillet et août, de manière un petit peu aléatoire. Il faudra checker les réseaux, donc. Hein. Tout à fait. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee. On vous oublie pas aussi, parce que chaque mois, on fait gagner à nos tipeurs un jeu de société. Mm-hmm. Donc là, bah, au mois de juillet, ce sera à partir du 15, on fera tourner la roue. Exactement. C'est ça, on vous oublie pas. Tous les mois, un jeu à gagner pour nos tipeurs. Mais en attendant, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas de faire des barbecues cet été, de profiter de vos familles, d'aller à la piscine, voire à la plage. Mais en attendant, n'oubliez pas de jouer, parce que jouer... C'est partagé. On compte sur vous.